Stéphane, j'aimerais qu'on se reparle de retour en Absurdie, vos chroniques qui sont parues chez Plon, justement. Et alors, j'ai demandé à Philippe, qui a dit oui, de lire l'une de vos chroniques, si vous le voulez bien, parce que je trouvais l'exercice intéressant. Il va regretter d'être venu aussitôt. Hein. Vous êtes sûr? Vous savez quoi? Vous n'êtes pas trompé de Philippe, là? Pardon? Il n'y a pas un autre Philippe qui doit venir, c'était pour non, Miss France. Il n'y a pas du tout un autre Philippe. J'aimerais qu'on m'apporte la petite merci chronique, Camille, puisqu'on est reparti avec. Merci d'être resté chez TF1. Tenez, alors regardez. Ça, c'est très long. Ça, c'est une des chroniques. J'ai l'impression d'être arrivé un quart d'heure. C'est vachement drôle. Problème de conducteur. Philippe, moi le problème c'est que je ne sais pas lire. Alors, Stéphane, vous l'aidez si vous voyez qu'à un moment donné on a un petit souci. Voilà, c'est tout. D'accord. Juste ça. Okay. Putain, ça va m'embrouiller ça. Mais encore, non, je vais encore Philippe. Partir sur un test sexuel. Mais un non. Test sexuel, pardon. Allez-y. Au temps d'un voyage de 6 jours et une nuit, j'arrive au seuil de la maison de Santa Claus, l'épouse de Santa Barbara. Ou une vieille femme, sûrement la ponne du curé. Mmh. Pas mal ça, la ponne. Elle me plaît bien celle-là. M'informe que même s'il est joyeux Noël à l'idée de me rencontrer, il est trop occupé pour me recevoir. Car c'est la botte saison. C'est la haute saison, pardon. C'est la haute, ah, saison. La haute. Oui, c'est la haute saison, avec je vais pas évidemment. Pour finir. La haute. Tendant quand même, alors oui. Tentant, pardon, quand même le coup. Hey. Je vais lire plus doucement. D'accord, mais pas trop doucement quand même, parce que... Sinon, on ne comprend pas le texte, c'est voilà. Ça. Alors vas-y, tiens. Attends. Dis-moi la suite, moi je vais... Là, c'est plus court. Ah, Philippe, vous êtes énorme. Ouais, c'est bien. Philippe, allez, continuez, c'est vachement bien. Tu veux, je continue, t'as bien le foot de ma gueule, toi. J'aime bien. Tu vas voir tout à l'heure, si on va à la patinoire d'à côté, tu vas voir. J'ai bien rigolé aussi. Il pleut des trompes d'eau, la patinoire, même pas en rêve. Mais on aura droit à un concours t-shirt mouillé comme ça sera parfait. Il y a tous mes copains qui rêvent que de ça. Bon, effectivement, plus loin sur la page, je reconnais Francis et Franck, la lane et le bœuf. Bien joué. Ainsi que Sophia, le raid. Occupée à brouter, ça c'est un verbe que j'aime bien, en attendant l'heureux événement du nouveau chef étoilé. Comprenant. Pardon, j'arrive plus à lire. C'était super. Merci beaucoup. Vous avez joué le jeu. Et vous savez quoi? J'adore vous recevoir. Parce que vous ne vous prenez pas la tête. Il a été bon, pas? Il était excellent. Mais bien sûr. Il faut le dire, les mecs. Oui. Ça, il y a peut-être même des gens qu'on comprend pour la première fois. Grâce à moi. C'est vrai, il y a autant... Tu vas faire 700 000 de plus. Il y a autant...